aller là, on va aller au cultivateur, hop, on va le dételer. Tchac. Voilà, on a enlevé la prise, on va le dételer. Non, oh, qu'est-ce que j'entends? C'est un camion? Oui, je crois bien. Il y a un camion? Ah oui. Oui, il y a un camion. Bonjour monsieur! Oui, bonjour! C'est pourquoi? Je viens pour chercher vos tracteurs. Je viens vous saisir, monsieur. Vous n'avez pas payé vos factures au concessionnaire le mois dernier. Ah bon? Oh, zut alors. Comment ça, vous venez saisir quoi? Je viens saisir tout votre matériel. Je vous laisse les cordes fermes, mais ça, ce sera l'huissier qui viendra. Moi, je viens par le concessionnaire. Je vais saisir que vos tracteurs et votre matériel. Ah, d'accord. Comment ça? Il faut que je puisse rentrer, monsieur. Faut que je recule. Allez-y, rentrez. Là, c'est bon, monsieur? Oh, oui, je pense. Alors, allez me chercher l'international, là, votre case, le 1455XL international, là. Et le smart, parce que ça aussi, je le prends, le smart. Ah bon? Ah, d'accord. Bon. Je vais démarrer tout ça. Putain, merde, alors, le chier. Et s'il vient de me saisir mes bâtiments, oh là 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 là. Déjà là, va falloir que je me trouve un autre boulot. Parce que je peux plus, j'ai plus de tracteur. J'ai plus du tout de tracteur, comment je vais faire? Je peux pas en racheter. Oh là là. Attendez monsieur, reculez, je vais vous mettre le plateau plus long. Alors, attendez. D'accord. C'est bon, allez-y, monsieur! D'accord. Oh là là là, franchement, c'est terrible. Je me souvenais plus qui m'avait dit ça, le magasin. J'aurais envie d'y prendre le tracteur et d'y foutre pour qu'il casse, mais j'ai quand même droit. J'en ai. Oh là 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 là. Va falloir tout prix que je me cherche un nouveau boulot là. Sinon, je suis pas mal dans la merde là. Je suis au bout là? Oui, à peu près. Ah là là. J'irai tout à l'heure à l'ETA avec mon vieux taco. Voir s'ils prennent. Le tato aussi? Ah oui, tout, monsieur, j'ai dit. Oh. C'est pas vrai, le petit dos là, c'était mon préféré, celui-là. Attendez, monsieur, le cultivateur aussi. Ah mince, je l'avais dételé, c'est vrai, avant qu'il arrive. Ce fumier, là. C'est pas vrai, putain. Je vous parie que je vais passer demain devant le concessionnaire, ils seront rangés, garés dans l'enclos d'occasion. C'est sûr et certain, ça. J'espère que je suis bien mis là. De toute façon, si je suis pas bien mis, que je pète la prise de force, je m'en fous puisque c'est plus à moi. Oui, ça va, je suis bien. Voilà. Et ça lève. Hop, on va peut-être en rentrer là. Hop, ici. Clac. C'est pas vrai, franchement. Mais surtout aujourd'hui, j'ai fait attention avec le petit Tuts là. J'étais en train de nettoyer le cultivateur. J'avais l'intention d'aller cultiver tous mes champs et tout pour après les semer avec l'international. J'avais tout préparé le matos. Et il vient, il s'incruste et il prend tout. Stop! Hop. Oh merde, non, c'est le camion calcium. Enfin, je croyais que je l'avais allumé. Monsieur, vous pourrez pas tout emmener. On va enlever le cultivateur, je reviendrai le chercher un autre jour. D'accord. Oh là là. Il pouvait pas prendre le cultivateur et me laisser le tracteur pour aujourd'hui. Non. Ah putain, il y a plus cette putain de gorge qui me fait mal là. Oh, en ce moment, rien ne va. Quand ça va pas, on le dit, ça va pas. Ah putain. J'en ai marre. Je savais bien que j'avais des factures que j'arrivais plus à payer. Mais je pensais pas que c'était au point qu'ils viennent me chercher mes deux tracteurs, mon cultivateur et tout mon matériel. Ils ont pas tout récupéré encore, mais je sens que ça va venir. Ils vont peut-être me saisir mes poules aussi. Il m'a dit qu'ils venaient pas pour saisir la ferme, mais ils venaient saisir le matériel. Alors attendez, faut que je le détaille par contre. Bon. Il dit qu'il venait saisir le matériel, mais il me fait rire. Il me dit que l'huissier de justice viendrait s'occuper de la ferme, mais ils vont pas me saisir ma ferme non plus. Parce que la ferme, ça date de mon grand-père, c'est de l'héritage, alors c'est à moi, ils peuvent pas me la saisir. Enfin, je comprends plus rien.
J'avais entendu déjà dans la région qu'il y en avait un paysan qui, du jour au lendemain, il avait appris qu'il avait des factures non payées. C'est louche leur histoire. Moi, pourtant, je pense payer toutes mes factures. Bon, je savais que j'étais dans le rouge depuis longtemps, alors peut-être que ma banque, elle a arrêté et que du coup, bah voilà. Bon, bah lui, il va reculer et puis on va dire au revoir à tout ça. On va dire au revoir. C'est vraiment pas possible. Ah, enfin, il est parti fumer d'huissier là, de magasin. Ah, j'ai failli le taper à la fin. Bon, on va aller. Tout n'est pas perdu. Je vais aller à l'ETA voir Thomas pour y en parler et voir s'il peut me récupérer. Putain, ma bagnole, elle commence à faire un bruit. Il faut falloir que je la change. Oh. Les têtes s'accumulent. Oulala, c'est pas bon ça. Bon, je vais aller être vite fait à l'ETA pour demander à Thomas des conseils. Déjà d'une, s'il peut m'embaucher, parce que je pense pas que je vais reprendre. Parce que lui, j'ai entendu parler qu'il y avait un mec qui s'était barré et que je crois qu'il était tout seul. Ou qu'il y en avait un autre, mais là, je crois qu'aujourd'hui, il était tout seul. Ah, regardez, là, il y a du beau matos. Almas et Ferguson, Elfen 930. Oh là 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 là, tous les Fendt qu'il a. En même temps, le concessionnaire, ici, c'est Fendt. Et puis, vu que c'est puissant, Fendt, il en a plein. Alors, attendez, je vais descendre. Bon, allez, on va voir Thomas, là. J'espère qu'il pourra m'aider. Parce que s'il peut pas m'aider, là, je suis vraiment dans la merde. J'ai plus de tracteur, Puis les huissiers vont venir chercher ma ferme. Oh là là, c'est terrible quand même. Bon, je vais me garer devant sa maison. Je crois qu'il est pas chez lui. Hein. En plein temps, moi, je suis un peu bête. Je viens en plein après-midi, là. Il doit être parti. Il est sûrement dans un champ. Surtout s'il est tout seul, comme des gars m'ont dit. Bon, je vais éteindre le contact quand même. On sait jamais. S'il y a des jeunes qui passent par là. Hein. Hop. Oh là 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 là. Et les mecs, c'est pas mes tracteurs, hein. C'est pas quand le concessionnaire est venu prendre mon Dutz là, mon vieux Dutz. Ah putain, j'ai mal à la gorge, je suis enrhumé. Et ben lui, il a un Fendt 939 Vario, putain. Oh là 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 là. Bon, est-ce qu'il est chez lui? Non. Voilà. Non. Bon bah il est pas chez lui, mais dommage, il doit être dans un champ. Je sais pas, il doit être dans un champ. Bon bah je vais rentrer à la ferme et puis je l'appellerai ce soir ou plus tard pour lui demander. Bon allez.